السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تتقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Mes très chers frères et sœurs, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous réfugier auprès de lui subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'un malheur nous touche. À chaque fois qu'une calamité nous frappe en tant qu'individu ou en tant que groupe et qu'il s'agisse d'un malheur qui nous touche dans nos biens, ou dans nos enfants, ou dans notre santé, ou dans nos relations sociales, ou autres. Nous devons nous réfugier auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le supplier, subhanahu wa ta'ala, l'implorer avec ses plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui-même qui nous l'a ordonné. Et il dit dans le sens du verset, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Nous devons, mes chers frères et sœurs, nous réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, individu et groupe, avec des cœurs proclamant son unicité, des cœurs abrités par une conviction en Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à sa perfection et à sa majesté, en disant au Seigneur Allah, nous te demandons avec tes plus beaux noms, telle chose ou telle autre. Et là, vous pouvez nommer la chose que vous désirez obtenir, qu'elle soit liée à ce bas monde ou à l'autre. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part aussi dans le-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Seigneur, donne-nous et on nous épouse et nos descendants la joie des yeux et fait de nous un guide pour les pieux. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ce sont des exemples, donc des invocations qui sont citées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Et si vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, que votre nourriture soit licite, que vos paroles soit licite. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est bon et n'accepte que le bon. Il prescrit aux croyants ce qu'il prescrit aux envoyés. Il a dit subhanahu wa ta'ala: ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Il a dit subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribué. Puis, il mentionna le cas de l'homme qui, faisant un long voyage, ayant les cheveux hirsutes
et poussiéreux, tend ses mains vers le ciel et s'écrie « Seigneur, Seigneur !» Ça veut dire qu'il fait des invocations. Alors que sa nourriture, il dit, alayhi salatu wassalam, alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite, il s'est rassasié de ce qui est illicite, il est loin pour que son invocation soit exaucée. Hadith rapporté par Muslim. Mes très chers frères et sœurs, et faites attention à ne pas être impatient et à désirer voir son invocation exaucée très rapidement. Car l'être humain ne sait pas si l'invocation qu'il a faite soit un bien pour lui. Faites attention à ne pas dire que nous avons invoqué et qu'il ne nous a pas été exaucé. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne se précipite pas. Ils ont dit au messager d'Allah, comment est-ce qu'il se précipite? Le prophète alayhi sallam a répondu, il dit, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Hadith rapporté par Ahmed. Veuillez donc rechercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant avec sincérité, avec l'espoir d'obtenir sa récompense et avec amour et crainte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prophète Zacharie alayhi salam en disant, nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahya et guérim son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Mes très chers frères et sœurs en islam, devant nous se trouve une porte qui cache de précieux trésors. Ces trésors qui ne se limitent pas à l'or et à l'argent, mais ils vont au-delà de l'or et de l'argent. Il s'agit de la santé, de la guérison des maladies, il s'agit de l'apaisement des soucis et du soulagement des problèmes. Et encore plus, le musulman peut trouver derrière cette porte tout ce qui lui vient à l'esprit et tout ce qu'il convoite. Mes très chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous est demandé de faire pour obtenir cela? Un peu d'effort et une œuvre très facile. Frappez à la porte. Attendez. Frappez à la porte encore une fois. Ne vous précipitez pas. Sortez les clés. Essayez-les un par un jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Et ayez la certitude qu'elle s'ouvrira, bi'idhnillah. Et qu'après son ouverture, vous tendrez vos mains et vous vous servez comme vous souhaitez. Mes chers frères et sœurs, est-ce que nous parlons ici d'une énigme? Non, nous parlons ici de quelque chose qui est possible à faire à tout moment, à toute époque et quand nous voulons. Mais cette chose a une particularité pendant le mois de Ramadan. Il s'agit du dua, de l'invocation par laquelle nous pouvons gagner les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle celui qui détient les trésors des cieux et de la terre nous accorde plus que nous voulons, car il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il est celui que rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire son autorité. Chers frères et sœurs, nous parlons de l'invocation pendant Ramadan parce qu'elle a des particularités que nous devons savoir et comprendre pour profiter au maximum. Premièrement, parmi ces particularités, les magnifiques versets sur l'invocation ont été cités au milieu des versets qui parlent du jeûne, qui parlent de siyam dans sourate al-Baqarah. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Avant et après ces versets, il y a des versets de siyam. C'est comme si l'exaucement des invocations a une particularité et une préférence durant ce mois béni. Donc soyez attentifs à cela. Mes très chers frères et sœurs, les hadiths du prophète aussi le démontrent. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, il y a trois invocations qui ne sont pas rejetées.
l'invocation du père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Hadith rapporté par le Bayhaqi. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Hadith rapporté par Tirmidhi. Et d'après Nafi', Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a dit, à l'époque on disait, il y a certes une invocation exaucée pour chaque croyant au moment où il rompt son jeûne, soit on lui avance dans la vie d'ici-bas, soit on lui prépare pour sa vie de l'au-delà. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma disait lorsqu'il rompait le jeûne, ô toi qui es très large dans ta pardon, pardonne-moi. Hadith rapporté par le Bayhaqi. Regardez cette dua. Ô toi qui es très large dans ton pardon, pardonne-moi. Ya wasi al-maghfira irfirli. Donc, nous voyons bien qu'il y a une spécificité dans ce jeûne et en ce mois sacré. Pourquoi ? Parce que le musulman est plus sincère dans son adoration à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, toute œuvre du fils d'Adam lui revient, exception faite du jeûne que qui me revient à moi et dont j'assure la récompense. Pourquoi ? Car il ne veut à travers cette œuvre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est loin de l'ostentation. Le serviteur invoque son Seigneur alors qu'il accomplit avec sincérité une œuvre pie qui est le jeûne, as-siyam. Mes très chers frères et sœurs, voici une autre particularité de ce mois. Il s'agit des moments vertueux qui existent pendant le ramadan et pendant lesquels l'invocation est exaucée. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah m'a dit, le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné en état de sujoud. Multipliez donc les invocations. Hadith rapporté par Muslim. Combien de fois nous nous prosternons pendant Ramadan ? Plus ou moins que d'habitude. Et combien notre sujoud est plus sincère pendant Ramadan ? Et combien notre cœur est présent pendant ce sujoud ? Regardez cet autre hadith. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce ? Qui est-ce qui me demande que je lui donne ? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne ? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pendant Ramadan, que font la majorité d'entre nous pendant ce moment-là, le dernier tiers de la nuit ? Nous sommes souvent réveillés. Nous avons pris notre suhoor. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et nous sommes en état d'obéissance, ce qui permet à nos invocations d'être exaucées. Et dans le hadith de Jabir, il dit, radiyallahu anhu, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, certes, chaque nuit, il y a une heure durant laquelle Allah exauce toutes les prières qui y sont faites par le musulman en ce qui concerne les biens de ce bas monde ou ceux de l'au-delà, hadith rapporté par Muslim. Donc, la porte se trouve bien devant nous. Il ne reste qu'à la frapper, mes chers frères et sœurs en islam. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est réelle. Méditez sur sa grâce et sa générosité lorsqu'il a nullement, subhanahu wa ta'ala, besoin de nous. Méditez sur sa miséricorde alors que nous sommes distraits de son évocation. Méditez sur sa bonté alors que nous lui désobéissons jour et nuit. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition, nous ne montions pas sur un endroit élevé ou nous ne descendions pas dans une vallée sans lever nos voix pour le takbir. Ça veut dire pour dire Allahu Akbar.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de nous et il a dit: ô vous les gens, soyez doux avec vos propres personnes, car certes vous n'invoquez pas un sourd ou un absent, vous invoquez plutôt celui qui entend et qui voit. Puis il a dit: ô Abdullah ibn Qais, ne vais-je pas t'apprendre une parole qui fait partie des trésors du paradis? Il n'y a de force et de puissance que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, est un trésor parmi les trésors du paradis. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est très proche de nous. Mes chers frères et sœurs, méditez sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Regardez comment il nous témoigne, subhanahu wa ta'ala, de son amour et de son affection lorsqu'il dit: votre Seigneur dit: appelez-moi, c'est un ordre. Obéissez juste à cet ordre et vous aurez le résultat qui est: je vous répondrai. Nous croyons-nous pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne sommes-nous pas sûrs de sa promesse? Ne sommes-nous pas conscients de la vérité qui existe dans les versets du livre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Il dit subhanahu wa ta'ala: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre? أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque avec cette forme de présent du verbe répondre qui signifie qu'il y a une continuité, que cette situation reste inchangée à chaque fois qu'un angoissé invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui répond. C'est une promesse de sa part subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi ce qu'il a rapporté des paroles d'Allah béni et glorifié: si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies se rassemblaient tous debout sur un seul plateau pour me faire des demandes que j'exaucerais toutes, cela ne diminuerait rien de ce que je détiens, sauf comme ce qu'une grosse aiguille diminue de la mer quand elle y est plongée. Hadith rapporté par Muslim. Nous voyons clairement la richesse énorme, illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que trouvons-nous nos demandes grandes et impossibles à réaliser pour Allah subhanahu wa ta'ala? L'un de nous trouve-t-il son péché trop grand pour qu'il soit pardonné par celui qui a dit: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Écoutez ce hadith authentique. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui dit après chaque prière subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois, ceci fait 99. Puis il dit pour compléter le nombre de 100: il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah sans associer à lui la royauté et à lui la louange. Il est puissant sur toute chose. Alors ses péchés seront pardonnés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Ses péchés seront pardonnés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Hadith rapporté par un musulman. Falhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mes très chers frères et sœurs, avons-nous entendu ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam rapporté par Tirmidhi d'après Anas radiallahu anhu, dans lequel il dit: Allah a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam,
Si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, puis que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Subhanallah. Regardez l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les serviteurs qui ont trop commis de péchés. Pourquoi n'avons-nous pas la certitude et la conviction dans nos cœurs? Car ce qui nous est demandé, c'est de bouger nos cœurs, de prononcer avec nos langues et de tendre nos mains vers le ciel. N'avez-vous pas entendu ce hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah est miséricordieux et généreux. Il éprouve de la pudeur que son serviteur lève ses mains vers lui, puis il n'y met pas de bien. Hadith rapporté par Al-Hakim selon Anas radiallahu anhu. Mes chers frères et sœurs, vous ne serez pas déçus si vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne reviendrez pas de sa porte chassée. Alors que nous accomplissons cette adoration d'Océan, du jeûne, et que nous sommes en cette saison exceptionnelle, dans ce grand mérite, et en ces jours bénis, et en ces nuits vertueuses, tout cela ne serait-il pas une cause pour que nous soyons acceptés auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu salam, a dit: lorsque l'un de vous invoque Allah, qu'il ne nous dise pas: Seigneur, pardonne-moi si tu veux. Seigneur, fais-moi miséricorde si tu veux. Mais montrez-vous ferme dans votre demande, car nul ne peut contraindre Allah à faire quoi que ce soit. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Dans une version de Muslim, il convient plutôt d'être ferme et insistant dans son invocation, car rien n'est trop grand pour Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, il convient de ne pas douter sur la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas hésiter dans sa demande, mais plutôt d'être ferme et déterminé dans son invocation, dans sa foi, dans sa conviction, car son don correspond à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Le don d'Allah correspond à sa grandeur, à sa générosité, à sa largesse, à son pardon, à sa capacité et à son agrément subhanahu wa ta'ala. D'après Urwa, radiyallahu anha, Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, a dit: demandez toutes choses à Allah, même le lacet des chaussures. Car certes, si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. Hadith rapporté par Ibn Sunni. Regardez comment nos pieux prédécesseurs demandaient toutes choses à Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient grandes ou petites, facile ou difficile, car tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que si nous sommes attentifs, nous profiterons tous, incha'Allah ta'ala, de ces particularités. Et nos cœurs qui battent, nos fronts qui se prosternent, nos langues qui pratiquent le dhikr, nos yeux qui débordent de larmes, nos mains qui s'étendent vers le ciel, seront liés à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala, car personne ne donnera une chose sans que cette chose ne provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun médecin ne te guérira de ta maladie si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le vrai guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûr de cela et ayez la conviction totale. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer une subsistance tôt ou tard. Hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, adressez vos demandes à votre Seigneur, déposez vos besoins et vos désirs entre les mains de votre maître subhanahu wa ta'ala, et soyez sincères et véridiques, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui tient
à ce que Allah exauce ses invocations au moment difficile, qu'il multiplie les invocations quand il est dans l'aisance. Hadith rapporté par Tirmidhi, selon Abu Huraira, radiallahu anhu. Il a été rapporté que lorsque le serviteur obéissant qui invoque Allah dans son quotidien, lorsqu'il est gagné par l'adversité ou demande à Allah subhanahu wa ta'ala de satisfaire un de ses besoins, les anges disent « Ô Seigneur, c'est une voix connue d'un serviteur connu. Ô Seigneur, c'est une voix connue d'un serviteur connu. » Donc c'est un serviteur qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala toujours. Il ne se contente pas de l'invoquer uniquement lorsqu'il est dans la difficulté. Il ne s'adresse pas à lui seulement lorsqu'il est face au problème, mais il l'invoque à tout moment, dans chaque situation, quelles que soient les circonstances, et son cœur est attaché à lui, toujours et à jamais. Mes chers frères et sœurs, regardez la générosité et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez sa grandeur. Nous, les êtres humains, si quelqu'un nous demande une chose, il se peut que nous lui la donnons. S'il nous demande une autre chose, nous commençons à en avoir assez. Et s'il répète ses demandes, nous pourrons même rompre les liens avec lui. Mais notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lui, aime le serviteur qui lui demande sans cesse et qui insiste dans ses demandes et qui proclame sa grandeur. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Certes, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. » Ya subhanallah. Certes, celui qui ne demande pas à Allah, celui qui n'adresse pas ses besoins à Allah, Allah se met en colère contre lui. Hadith rapporté par Tirmidhi. C'est la raison pour laquelle que l'une des plus importantes règles des bienséances relatives à l'invocation et des sources de l'exaucement est le fait de louer Allah et de lui faire l'éloge. Le prophète alayhi salatu wasalam avait l'habitude de précéder ses invocations en disant « Ô Seigneur, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve. À toi la louange, tu es celui qui administre les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. À toi la louange, tu es le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve. À toi la louange, à toi la royauté des cieux et de la terre, à toi et tout ce qui s'y trouve, à toi la louange, tu es le maître des cieux et de la terre, à toi la louange, tu es la vérité, ta promesse est vérité, ta parole est vérité, ta rencontre le jour du jugement est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité, les prophètes sont vérité, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et l'heure du jugement est vérité, ô Seigneur, à toi que je me suis soumis, en toi que je place ma confiance, je crois en toi et vers toi je reviens en toutes choses. Par toi je combats mes ennemis et par toi la loi que j'ai jugée, par toi pardonne-moi donc mes péchés, passés et futurs, ceux commis en secret et ceux commis en public, c'est toi qui fais avancer et fais reculer, nulle divinité autre que toi. Tu es mon objet d'adoration, nulle divinité autre que toi. Voici donc la façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala que faisait notre prophète alayhi salatu wasalam. Mes chers frères et sœurs, il y a un autre point que nous devons en parler. Il s'agit des meilleurs hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités, de l'élite de sa création parmi ses messagers et prophètes. Ne sont-ils pas ceux qui sont le plus connectés au ciel et à la révélation? Ne sont-ils pas les personnes les plus sincères dans la foi et dans le monothéisme? Ne sont-ils pas les personnes les plus obéissantes et les plus adoratrices? Et pourtant, nous pouvons trouver plein de versets coraniques qui parlent des invocations de ces prophètes. Et ces versets parlent d'une réponse directe et immédiate de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'exemple du prophète d'Allah Ayyub alayhi salam dans Sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Ayyub, le prophète Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux.
Regardez l'invocation du prophète Ayoub alayhi salam. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite, nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et en tant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Ici, Ayoub alayhi salam n'a rien dit de plus que de décrire son état et son besoin. Puis il a proclamé la louange de son Seigneur. Le mal de la maladie m'a touché et tu es miséricordieux, très miséricordieux, juste avec ces quelques mots. Et lorsque vous vous humiliez devant Allah subhanahu wa ta'ala par votre faiblesse, lorsque vous reconnaissez votre... Lorsque vous vous orientez vers votre Seigneur et vous vous adressez confidentiellement à sa grandeur, puis vous évoquez sa majesté et sa magnificence, ensuite vous vous souvenez de sa grâce et de sa générosité, alors la réponse à votre demande arrive juste après. Mes chers frères et sœurs en islam, pour finir, voici quelques invocations qui sont exaucées. Premièrement, l'invocation doit être animée de la foi et de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa souveraineté, dans sa divinité, dans ses noms et dans ses attributs, son cœur doit être rempli. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation, il faut que le fidèle qui l'invoque lui obéisse et évite de lui désobéir. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Deuxième condition pour que l'invocation soit exaucée, c'est le fait d'invoquer Allah avec sincérité, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône, et voilà la religion de droiture. Troisièmement, invoquer Allah à l'aide de ses plus beaux noms conformément à sa parole, subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus bons. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils sont rétribués pour ce qu'ils ont fait. Quatrième règle, louez Allah comme il le mérite avant de commencer l'invocation en vertu de ce qui a été rapporté par At-Tirmidhi. D'après Fadal ibn Ubayd radiallahu anhu qui a dit: une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis quand un homme entra, effectua une prière puis dit: mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi ta miséricorde. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu es trop pressé, ô prieur, ô celui qui a prié. Quand tu termines ta prière, tu t'assois, puis tu loues Allah comme il le mérite, puis tu pries pour moi avant d'invoquer. Cinquième règle, parmi les règles de l'invocation exaucée, c'est le fait de faire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute prière, toute demande, toute invocation sera bloquée jusqu'à ce qu'on auteur prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc louer Allah, puis prier sur le prophète alayhi wa sallam, puis invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les règles de bienséance de l'invocation, sixièmement, il y a le fait de s'orienter vers la Qibla, vers la direction de la Mecque. Muslim a rapporté dans son authentique recueil de hadith, d'après Omar ibn Khattab radiallahu anhu, le jour de la bataille de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeté un regard sur les polythéistes qui étaient 1000 personnes, alors que ses compagnons n'étaient que 319 hommes. Il s'est tourné vers la Qibla et a tendu ses mains et s'est mis à crier en invoquant son maître, à supplier. Il s'est mis à supplier en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en disant: mon Seigneur, réalise la promesse que tu m'as faite. Mon Seigneur, si tu laisses périr ce groupe de musulmans,
tu ne seras jamais adoré correctement sur terre. Et il ne cessa, alayhi salatu wassalam, de supplier son Seigneur, orienté vers la Qibla, les mains tendues, jusqu'à ce qu'on habite en bas. Septièmement, parmi les règles de l'invocation, c'est le fait d'élever les mains et de les tendre vers le ciel. D'après Abu Daoud, Salman Al-Farisi radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre maître béni est très haut et généreux et pudique. Il a honte de laisser celui qui lui tend les mains retourner les mains vides. Il faut faire en sorte que les paumes soient tournées vers la manière du solliciteur humble qui attend qu'on lui donne. Donc les paumes des deux mains tournées vers le ciel en attendant une chose qui arrive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Daoud a rapporté d'après Malik ibn Yassar radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous sollicitez Allah, tendez-lui vos paumes et non le dos de vos mains. Hadith rapporté par Abu Daoud. Quand vous sollicitez Allah, tendez-lui vos paumes et non le dos de vos mains. Doit-on maintenir les deux mains collées l'une à l'autre ou bien les séparer légèrement? Dans Al-Sharh al-Mumti', Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a précisé que les mains doivent rester collées l'une à l'autre. Les mains doivent être restées collées l'une à l'autre. Il précise que le fait de les écarter l'une de l'autre n'a, à ma connaissance, aucun fondement, ni dans la sunna, ni dans les propos des savants. Huitième règle à observer pendant l'invocation, c'est le fait de nourrir la certitude quant à la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir le cœur présent conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, invoquer Allah tout en étant sûr d'obtenir l'exaucement et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation du cœur distrait. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi. Neuvième règle, répétez fréquemment la demande en y incluant tout ce que le fidèle veut obtenir des biens d'ici-bas et de ceux de l'au-delà. Il faut encore insister sans être trop pressé de recevoir l'exaucement compte tenu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. On exauce l'invocation du fidèle, sauf si elle implique un péché ou la rupture des liens de parenté ou si l'invocateur ne s'en presse pas. Comment s'en presser, ya Rasulallah? Il dit, c'est-à-dire j'ai invoqué Allah tant de fois sans obtenir l'exaucement et puis on se décourage en abandonnant l'invocation. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dixième règle, s'exprimer résolument compte tenu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ne dites pas mon Seigneur pardonne-moi si tu veux ou mon Seigneur donne-moi ta miséricorde si tu veux, mais il faut s'exprimer résolument car rien ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à agir. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Règle 11, restez humble et animé du désir et de la crainte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et il dit subhanahu wa ta'ala, il concourait au bien, il nous invoquait par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir et ne sois pas du nombre des insouciants. Règle 12. Répétez la même invocation trois fois. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répéter ses invocations trois fois et quand il demandait, il le faisait trois fois. Alayhi salatu wassalam. Règle 13. Utiliser une nourriture et des vêtements licites, halal. Muslim, rahimahullah, a rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô homme, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Il a donné aux croyants le même ordre qu'il a donné au messager en ces termes, ô messager,
Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bon, du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et il a dit, oh vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Ensuite, il a évoqué alayhi salatu wasalam, le cas de celui qui effectue un long voyage et devient poussiéreux, les cheveux en bataille et les mains tendues vers le ciel pour dire « ô Seigneur, pourtant il mange une nourriture illicite et boit des boissons illicites et porte des vêtements illicites, étant ainsi nourri de choses illicites. Comment peut-on exaucer ses prières ?» Règle 14. Invoquer discrètement et ne pas élever sa voix trop fort. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Allah a rendu hommage à son serviteur Zakaria alayhi salam en ces termes lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, voici quelques endroits et quelques moments où les prières et les demandes et les invocations sont le plus exaucées. Premièrement, pendant la nuit du destin. Il a été rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit au prophète alayhi salatu wasalam, dis-moi si je connaissais la nuit du destin, que vaudrait-il que je dise? Et il dit alayhi salatu wasalam, tu dis, Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Deuxième endroit ou moment où les prières sont les plus exaucées, l'invocation faite en pleine nuit, notamment avant l'aube, l'heure de la descente divine, où le transcendant daigne descendre auprès de ses fidèles serviteurs afin de satisfaire leurs besoins et dissiper leurs soucis. C'est à ce moment-là qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, qui m'invoque pour que j'exauce son invocation, qui me demande pour que je lui donne ce qu'il sollicite, qui sollicite mon pardon, pour que je lui accorde mon pardon. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Troisièmement, à la fin des prières prescrites, les cinq prières obligatoires, on lit dans le hadith de Abu Umama, radiallahu anhu, on a dit au messager d'Allah, quelle est l'invocation la plus à même d'être exaucée? Il dit, alayhi salatu wasalam, celle prononcée en pleine nuit, notamment en sa dernière partie et à la fin des prières obligatoires. Hadith rapporté par Tirmidhi. À la fin des prières prescrites, dans le hadith en arabe, dubur as-salawat al-mafroudat, le terme dubur as-salat, ont été interprétés et expliqués différemment par les savants. Pour certains, ils renvoient au moment qui précède à la fin de la prière. Pour d'autres, ils désignent les moments qui suivent la fin de la prière. La première interprétation est choisie par Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son disciple Ibn Qayyim, rahimahullah. À ce propos, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit « Le dobor d'une chose est une partie intégrante comme le derrière d'un animal. » Donc pour lui, dobor as-salat, c'est vraiment la dernière partie juste avant le salam. Et pour Cheikh Ibn Uthaymi, rahimahullah, toute invocation recommandée, dobor as-salat, doit précéder le salut de fin de prière. Il s'agit de l'invocation. Toute invocation, toute dua recommandée, dobor as-salat, doit précéder le salut de la fin de la prière. Et tout dhikr recommandé dubur as-salat doit succéder le salut de la fin de la prière, ça veut dire juste après le salam. Quatrièmement, l'invocation faite entre l'appel à la prière et le rappel qui annonce le début de la prière. Ça veut dire entre l'adhan et l'iqama. Il a été rapporté de façon sûre que le prophète alayhi salam a dit, on ne rejette pas une invocation prononcée entre l'appel à la prière et le rappel qui annonce le début de la prière. On ne rejette pas une dua prononcée entre l'adhan et l'iqama. Cinquièmement, à la descente de la pluie. À la descente de la pluie, l'invocation est exaucée
d'après ce hadith de Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, hautement attribué, Dieu ou bien deux ne seront pas rejetés. Les invocations prononcées au lancement de l'appel, à la prière et à la descente de la pluie. Hadith rapporté par Abu Daoud. Sixièmement, au cours de l'une des heures de la nuit, selon ces propos du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « La nuit abrite une heure à laquelle aucun musulman ne demande à Allah un bien d'ici-bas ou de l'au-delà sans qu'on le lui donne. » Hadith rapporté par Muslim. C'est une heure qui est cachée dans la nuit. Septièmement, l'heure du vendredi. Évoquant le vendredi, le messager d'Allah a dit « Il abrite un moment au cours duquel tout musulman qui se met debout pour prier et demander quelque chose à Allah le Très-Haut, l'aura. » Disons ceci, il fit, alayhi salatu wassalam, geste, il fit un geste de la main pour indiquer l'étroitesse du moment en question. Ça veut dire, c'est un moment qui ne dure pas très longtemps, pendant Al-Jumu'ah, pendant le vendredi. Certains disent, lorsque l'imam, pendant le serment, s'assoit sur la chaire, et d'autres hadiths nous disent que cette heure se trouve plutôt à la dernière heure de l'Asr, juste avant le Maghrib du jour du vendredi. Huitièmement, au moment de boire l'eau de Zamzam. Et à ce propos, Jabir radiallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'eau de Zamzam est utile à tout ce pourquoi elle est bue. » L'eau de Zamzam est utile à tout ce que boit, à tout ce pourquoi elle est bue. Et ce hadith est rapporté par Ahmed. Zamzamu lima shuribalah. Neuvièmement, pendant un sujoud, pendant la prosternation, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le fidèle serviteur se trouve plus proche de son maître quand il se trouve en posture de prosternation, multiplie les invocations. Dixièmement, quand les coqs chantent, selon ce hadith, où le prophète alayhi sallam dit, quand vous entendez les coqs chanter, sollicitez la grâce d'Allah, car il voit un ange. Car ces coqs voient un ange. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Onzièmement, à l'usage de la formule, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Donc, il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Certes, je fais partie des injustes. On a rapporté que le prophète a dit l'invocation prononcée par Dhunnun. Donc, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yunus. L'invocation prononcée par Dhunnun, avalée par la baleine, se présente en ces termes. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Certes, je fais partie des injustes. « La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin » Puis le prophète alayhi sallam dit « Jamais un musulman ne l'emploie sans l'obtenir l'exaucement de la part d'Allah. » À chaque fois qu'on emploie cette phrase, cette dua du prophète Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos demandes. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Douzièmement, quand quelqu'un subit une épreuve et qui dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Seigneur, récompense-moi pour l'épreuve et donne-moi une meilleure compensation. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et Muslim, il a rapporté donc que Umm Salama radiallahu anha a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, tout musulman frappé par un malheur qui dit ce que Allah lui a recommandé à savoir Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Seigneur, récompense-moi pour épreuve et donne-moi une meilleure récompensation. Allah lui donne une meilleure compensation. Hadith rapporté par Muslim. Treizièmement, les invocations faites par les gens après la saisie de l'âme d'un mort. Les invocations faites par les gens après la saisie de l'âme d'un mort. D'après ce hadith, selon lequel le prophète se rendit auprès de Abu Salama,
radiallahu anh, qui venait de mourir, et il avait les yeux grands ouverts. Il les referma, alayhi salatu wassalam, puis il dit, quand l'âme s'en va, le regard le suit. Des membres de la famille du défunt, donc, se mirent à se lamenter, à pleurer, à crier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, n'invoquez pas Allah contre vous-même qu'en disant du bien. Car les anges disent Amin après ce que vous aurez dit. N'invoquez Allah contre vous-même qu'en disant du bien, car les anges disent Amin après ce que vous aurez dit. Hadith rapporté par Muslim. Aussi, 14e, l'invocation faite pour un malade. Muslim, rahimahullah, a cité un hadith selon lequel Umm Salama radiallahu anha a dit que le prophète alayhi salam a dit, quand vous vous rendez au chevet d'un malade, ne dites que du bien, car les anges disent Amin après vos propos. 15e, l'invocation prononcée par une personne lésée, par une personne qui a subi une injustice. À ce propos, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, redoutez l'invocation prononcée par la victime d'une injustice, car aucune barrière ne l'empêche de parvenir à Allah. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Et il dit, alayhi salatu wassalam, encore, l'invocation d'une personne lésée est exaucée, même si son auteur était pervers, car sa perversité ne concerne que lui. 16e, l'invocation exaucée est l'invocation faite par le père au profit de son enfant, et celle du jeûneur au terme de son jeûne, et celle du voyageur. En effet, il a été rapporté de manière authentique que le prophète a.s.w. a dit, trois invocations ne seront pas rejetées. Celle faite par un père au profit de son enfant, celle prononcée par un jeûneur, et celle du voyageur. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. 17e, l'invocation faite par le père contre son enfant. On peut lire dans ce hadith authentique, trois invocations sont exaucées, celle de la victime d'une injustice, celle du voyageur et celle formulée par un père contre son enfant. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi. 18e, l'invocation exaucée, l'invocation prononcée par un enfant pieux au profit de ses pères et mères. À ce propos, un muslim, rahimahullah, rapporte ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand un être humain décède, ses œuvres cessent, sauf trois. Une aumône qui dure, un enfant pieux qui prie pour lui et un savoir utile. 19e, l'invocation faite après l'inclinaison du soleil et avant la prière de Dhuhr. À ce propos, Abdullah ibn Sa'ib radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait une prière de 4 rak'at après l'inclinaison du soleil et avant la prière de Dhuhr. Et il disait, alayhi salatu wassalam, c'est un temps au cours duquel on ouvre les portes du ciel et j'aimerais qu'une de mes bonnes œuvres y soit remontée. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Donc il s'agit ici des 4 unités de prière surérogatoires juste avant la prière de Al-Dhuhr. Donc il faut multiplier les invocations pendant ces prières. Et enfin, l'invocation faite quand on se réveille au cours de la nuit, notamment avec le choix de la formule reçue du prophète alayhi salatu wassalam en ces termes, si on se réveille au cours de la nuit et qu'on dit il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, la ilaha illallah, Allah est le plus grand, Allahu Akbar, il n'y a ni moyen ni force qu'en Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Seigneur, pardonne-moi, Allahumma ghfirli, ou prononce une autre invocation, on lui répond favorablement. Et s'il fait ses ablutions et qu'il prie, on agrée et on accepte sa prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari. J'espère que j'aurai, Inch'Allah Azzawajal, parlé d'une façon détaillée de l'invocation exaucée. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos demandes. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Waghfir lana dhunubana innaka ala kulli shay'in qadir.
وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا ربي ها نحن ندعوك فاستجب لنا، فقد قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم. اللهم فتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا صالح اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.